Salut Jamy. Bon, tu sais de quoi on va parler aujourd'hui? Ah oui, de vacances. Oh, c'est pas un sujet, ça. Ah si, c'est même un grand sujet, les grandes vacances. Allez, Marcel, à la mer. Ouais, tu manques pas d'air. Oh, bon, on n'est pas bien ici, sur la plage, les mouettes, la mer. On va pas rester ici 2 heures, je m'ennuie, moi, sur la plage. Oh, bah, si tu veux, on peut faire une partie de boule, hein. Oh non, pas une partie de boule. Tiens, je vais aller à la pêche, ça tombe bien, c'est marée basse. C'est bien la pêche. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Marcel! Une partie de boule? Oui, ben moi, je préfère aller me promener sur l'estran. L'estran, c'est le nom que l'on donne à toute cette partie de la côte qui se découvre à marée basse. Et on n'a pas l'impression comme ça, mais quand on regarde bien sous les algues et dans les rochers, ça grouille de vie. Il y a plein de petites bêtes. Ah oui, et puis en Bretagne, on voit souvent ces traces noires sur les rochers. Ça, ce ne sont pas des traces de pollution, de marée noire. C'est tout simplement du lichen, c'est-à-dire un mélange de champignons et d'algues. Allez, on continue. Parmi tous les petits animaux de l'estran, on trouve d'abord les mollusques, les bigorneaux, les moules, tiens, les berniques, tout ça, ce sont des mollusques. On va essayer de l'apprendre, on va y aller par surprise. Hop! Alors, un mollusque, c'est un animal qui a un corps mou, comme ça, et qui se protège en se fabriquant une coquille. Ici, c'est son pied qui lui permet de se déplacer et d'adhérer au rocher. Puis par là, il doit y avoir la tête, ici, avec une langue très longue qui lui permet d'aller brouter, enfin plus exactement, d'aller gratter les algues pour se nourrir. Allez, petite, va brouter. Allez, viens par là, toi. Et puis, on trouve aussi des crustacés, des crevettes ou... Oh, il s'accroche, hein. Ou encore des crabes. Alors le crustacé, lui, c'est un animal qui a une carapace articulée. Le crabe, lui, il a uniquement les pattes qui sont articulées. Tout ça, ça le protège et c'est beaucoup plus pratique pour se déplacer. Et tous ces animaux, mollusques ou crustacés, peuvent vivre à la fois à marée haute et à marée basse. Je me demande comment il fait, lui, d'ailleurs, pour respirer. Dis donc, Jamy, comment il fait, le crabe, pour respirer quand il est à l'air libre? Ah ben, il est fait, là. Comment? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut savoir comment fait le crabe pour respirer quand il est à l'air libre. Mais c'est pas possible, ça. Il peut pas rester 5 minutes tranquille. Eh oui. Ah! Eh bien, le crabe n'a pas de poumon. Il respire grâce à des branchies. Et les branchies sont situées dans des cavités, ici. Elles permettent au crabe de capter l'oxygène qui est dissous dans l'eau. Alors quand le crabe est dans l'eau, les cavités se remplissent et l'eau circule en permanence autour des branchies. Le sang de l'animal est chargé de gaz carbonique. Au contact de l'eau, le gaz carbonique est évacué, tandis que l'oxygène pénètre dans le sang. Puis le sang retourne vers le cœur, qui l'envoie dans tout l'organisme et ainsi de suite pendant toute une vie de crabe. D'accord, Jamy, mais là, on est à marée basse, donc il n'a plus d'eau pour faire fonctionner ses branchies. Quand la marée baisse, le crabe ferme les écoutilles, enfin, les arrivées d'eau, comme ça il se constitue des réserves, il peut continuer à respirer, c'est-à-dire, ça ne peut pas durer éternellement, 1, parce que le crabe n'est pas étanche, 2, parce qu'il vient un moment où il a consommé tout l'oxygène dissous dans l'eau. Bon, je retourne à ma partie de boule. Bonjour. Bonjour. Vous collectionnez les bigorneaux, vous? Ouais, je les collectionne pour les étudier un petit peu. Ben, ça tombe bien, parce que je me suis toujours posé une question. Ça sert à quoi, là, cette petite... Enfin, l'opercule qui est juste à la porte d'entrée du bigorneau? Ça sert à le rendre étanche quand la marée s'en va et qu'il n'est pas si rapide pour suivre la mer. Ouais. S'en va. Donc, ça lui permet de garder un petit peu d'eau dans son habitacle pour assurer ses échanges respiratoires. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il mange, le bigorneau, là? Parce qu'on les voit des fois dans des petites flaques d'eau, comme alors, ça. Alors, on peut les voir dans les flaques. Il peut manger les petites pousses d'algues qui sont au fond, hein, qui adhèrent au fond. On les sent, hein, ou alors,
Ouais, le film d'algues microscopiques qui est posé sur le fond. Et c'est quoi alors ces tout petits bigorneaux là? Minuscules. Ceux-là, ils viennent du haut de l'estran, c'est-à-dire du haut de la zone de balancement des marées, là où les rochers sont jamais recouverts par la marée, mais où les rochers reçoivent les embruns. Donc ils vivent plutôt au sec, quoi. Voilà, eux vivent au sec sur les lichens noirs, dans les petites failles. Mmh. Et alors eux ne vont pas utiliser de branchies pour leur respiration, ils sont presque comme l'escargot de notre jardin. Ouais. Ils utilisent un poumon rudimentaire. Ils ont un poumon, là-dedans il y a un poumon. Voilà, là-dedans il y a un poumon bon, rudimentaire, hein, c'est pas. D'accord. Rien à voir avec les nôtres. Cela ne se mange pas. Faudrait être adroit et patient. Eux, par contre, ils se mangent. Mmh, comme les crabes ont une carapace très dure, ils se retrouvent un peu à l'étroit quand ils grandissent. Régulièrement, ils doivent sortir de cette espèce d'armure et c'est pas facile. Ce grand mâle va aider une femelle à s'extraire de sa vieille carapace. Allez, ça y est, la femelle est sortie et en dessous, il reste une vieille boîte vide. C'est la mue du crabe. Pendant que la peau de la femelle est encore molle, ils en profiteront pour s'accoupler. Lui aussi, c'est un crustacé, le Bernard l'ermite. Mais il n'a pas de carapace, alors il squatte les coquilles de mollusques. Et quand il grandit, il doit trouver une nouvelle maison. Il la mesure dans tous les sens avant de s'y installer. Alors ça va? T'as assez de place là-dedans? C'est bon? Encore un autre crustacé, la langouste. Elle vit généralement dans les rochers ou les grottes sous-marines. Mais au moment de la reproduction, les langoustes forment de grandes caravanes sur le sable. Tiens, Jamy, regarde ce que j'ai ramené. Des crabes et des couteaux que j'ai trouvés dans le sable. Jamy! Oh, Jamy, t'es où? Hé, Jamy, t'as vu les couteaux? Comment ils font pour respirer dans le sable? Ils doivent étouffer, non? Mais non, ils étouffent pas. Oh, allez, au camion. Ah, oh, c'est pour des vacances. C'est quand même curieux. Et dire que ça vit dans le sable. Et ça aussi. Ah, et t'inquiète pas, frère, pour tes couteaux et tes coques. Comme tous les coquillages qui vivent dans le sable, ils respirent grâce à des branchies. Oh, bah tu vas nous expliquer ça, moi je vais faire un petit tour en mer, d'accord? C'est très simple. Pour inonder leurs branchies, ils disposent d'un siphon. Un petit tuyau, si vous préférez. Alors, quand la marée est haute, ils déploient ce siphon jusqu'à l'eau. Et puis, quand la marée est basse, ils rétractent ce tuyau et font comme les crabes. Ils se constituent une petite réserve d'eau pour continuer à respirer. Allez! Alors Fred, tu t'es lancé dans la pêche au gros? Ah, on va voir si la pêche a été bonne. C'est pas vraiment de la pêche au gros, Jamy, ce serait plutôt de la pêche au petit. Comme ça, quand on regarde l'eau, on a l'impression qu'il n'y a absolument rien dedans. Eh bien, c'est pas vrai, quand on fait traîner un filet avec des toutes petites mailles, voilà ce que l'on trouve, de minuscules petites algues. C'est ce qu'on appelle le phytoplancton. Et c'est très utile, ça. C'est vrai que ces algues sont très utiles. Elles existent depuis à peu près 2-3 milliards d'années. Ouais. Et elles ont produit l'oxygène qu'on respire et elles continuent toujours. Et elles se déplacent alors, ces algues? Ces algues-là, bon, c'est du plancton, donc elles vont dériver avec les courants horizontalement. Elles dépendent des courants. Mais elles vont quand même faire des migrations en fonction de la lumière. C'est-à-dire que pendant la nuit, elles vont rechercher la lumière, elles vont remonter vers la surface. Ouais. Et tous les petits animaux qui s'en nourrissent vont suivre le même déplacement. D'accord. Donc tu vois, Jamy, s'il n'y avait pas ça, eh bien, il n'y aurait pas de vie dans les océans. Comment le phytoplancton produit-il de l'oxygène? Eh bien, grâce à des petites cellules qui se comportent comme des usines à produire de l'oxygène. D'abord, ces cellules captent du gaz carbonique. Ce gaz carbonique est dissous dans l'eau et produit par des organismes marins qui respirent. Mais il peut aussi être produit par l'activité humaine ou animale en surface et ensuite se dissoudre dans l'eau. Puis, les cellules utilisent l'eau des océans dont elles vont séparer les constituants, l'hydrogène d'un côté, l'oxygène de l'autre. Pour faire tout ce travail, il faut de l'énergie. Les cellules utilisent la lumière du soleil qu'elles captent grâce à la chlorophylle. Et ensuite, avec l'hydrogène et le carbone, elles fabriquent du glucose, de la nourriture pour le phytoplancton. Quant à l'oxygène, eh bien, il est libéré. Une partie se dissout dans l'eau et va permettre aux poissons de respirer. Et quand il y en a trop dans l'eau, eh bien, l'oxygène se disperse dans l'atmosphère. Tiens, Jamy, viens voir un peu à quoi ça ressemble, le phytoplancton. Ce sont des algues microscopiques. Elles font entre 1 millième et 50 millièmes de millimètre. Le plus drôle, c'est qu'elles bougent car elles sont équipées de petites queues, des flagelles, qui leur permettent de se déplacer. Et pourtant, ce ne sont pas des animaux, ce sont des végétaux. Et puis, dans la mer, on trouve aussi une autre forme de plancton. C'est le zooplancton qui, lui, est composé uniquement d'animaux. Oh là là, il y a du monde là-dedans. Hein. Michel, tu veux bien m'expliquer ce qu'on voit là exactement?
Alors, dans le zooplancton, on va surtout trouver des crustacés. Hein. Tous les petits animaux qui sont là sont des petits crustacés qui vont, eux, passer toute leur vie à ce stade-là, un planctonique. D'accord. Et il y a, voilà, il y a aussi des larves de crustacés ou d'autres animaux. Ici, c'est une larve de crabe qui est à quelques jours, qui va passer quelques semaines dans le zooplancton et ensuite va descendre sur le fond et se transformer. Ça, c'est un petit crabe ? C'est un petit crabe. Et celui-là, il est presque au stade final dans le plancton. Il ne va pas tarder à descendre sur le fond. Il fait quelle taille, à peu près ? Celui-là, il fait à peu près une centaine de microns, 100 à 200 microns, à peu près. Donc ça, c'est du zooplancton encore ? C'est toujours zooplancton. Tant que ça dérive avec le courant, c'est plancton. Ça aussi, ce sont des animaux ? Ce sont des petits oursins qui ont quelques jours et qui se nourrissent de phytoplancton. On le voit d'ailleurs qui bougent à l'intérieur de l'estomac. Ils n'ont pas encore leur piquant, mais ils ont des petits pieds qui vont leur permettre de ramener, grâce à des petits cils, la nourriture jusqu'à la bouche. Donc, si on se résume, le phytoplancton produit de l'oxygène et en même temps, il sert de nourriture aux zooplanctons et également à d'autres animaux marins, par exemple aux animaux filtreurs comme les moules. La preuve, dans ces deux bocaux, on a mis du phytoplancton. Ici, on a mis des moules. En l'espace de 10 minutes, elles ont tout dévoré. Et encore plus drôle, Jamy, ça, tu connais ? C'est une huître. Eh bien, tu vas assister en direct au repas d'une huître sous microscope. Pour manger, l'huître utilise ses branchies afin de filtrer et transporter le phytoplancton. Et c'est comme ça que se nourrissent beaucoup de mollusques. Bon appétit! Reprenons en observant ce qui se passe à l'intérieur d'une veineuse. Et bien dans ce cas précis, l'eau est aspirée par le siphon. Elle circule en permanence sur les branchies. Et la nourriture, qui est piégée dans les mailles de ce minuscule filet, glisse jusqu'à la bouche. Ensuite, eh bien, c'est le trajet habituel, œsophage, estomac, intestin. Et comme pour nous, une partie de ce qui rentre d'un côté sort de l'autre. Sauf que là, la chasse d'eau est intégrée. Certains animaux comme ces vers collectent le phytoplancton grâce à des plumets qu'ils peuvent rentrer et sortir à volonté. Le problème avec les filtreurs, c'est qu'ils assimilent tout, même les substances nocives ou les produits chimiques qui sont déversés dans la mer par accident. On peut tomber malade en les mangeant, donc il faut bien surveiller les parcs à huîtres. Il n'y a pas que les petits animaux qui filtrent, il y a aussi les baleines ou bien le requin pèlerin qui peut atteindre 15 mètres de long. Il est complètement inoffensif pour l'homme puisqu'il n'a pas de dents. Il se nourrit de zooplancton qu'il filtre avec ses énormes branchies. Savez-vous que sur les côtes bretonnes, en particulier sur les côtes du Finistère, à quelques mètres de profondeur seulement, il y a une véritable forêt vierge avec des algues géantes. Alors c'est quoi, Eric, ces algues ? Alors il y a différentes espèces, et notamment des grandes laminaires. Et quand tu as parlé de forêt, c'est exactement ça. On va aller voir maintenant une véritable forêt. On se promène dans des clairières. Bon, on y va tout de suite. C'est parti pour une petite promenade en forêt. Voilà, nous arrivons au-dessus de cette forêt de laminaires. Cette forêt, c'est véritablement le poumon des côtes rocheuses, car elle fabrique elle aussi beaucoup d'oxygène. On estime qu'elle produit environ la moitié de ce que produit la forêt française. Et puis c'est aussi un grand garde-manger, car beaucoup de petits animaux marins viennent s'y réfugier ou viennent se reproduire ici. Ça, c'est une anémone de mer. On s'imagine souvent que l'anémone est une fleur, une plante. Eh bien, pas du tout. L'anémone de mer est un animal avec ses tentacules tout autour, ici, et puis au milieu, une bouche. Et l'anémone est même un redoutable prédateur pour les petits poissons et pour les petits crustacés comme les crevettes. D'ailleurs, si vous voulez en avoir la preuve, on va faire une petite expérience avec Eric. Voilà, alors on va donner à manger à une anémone avec un petit tronc. C'est quand même assez insolite. En fait, dans cette grosse seringue, il y a des tout petits crustacés. L'anémone aime beaucoup ça. Alors pour piéger sa proie, elle utilise ses tentacules et elle injecte un venin qui paralyse la proie. Ensuite, elle n'a plus qu'à la dévorer. Celle-ci a vraiment l'air d'avoir de l'appétit.
L'étoile de mer, elle, se nourrit de bivalves, par exemple, de moules ou de coquilles Saint-Jacques. Et lorsqu'elle les tient avec ses bras qui sont munis de nombreuses petites ventouses, elle ne les lâche plus jusqu'à ouvrir les coques. Mais le combat peut parfois durer des heures. Quand un bivalve est frôlé par une étoile de mer, il n'a qu'une idée, s'enfuir. Et regardez cette toute petite étoile, elle s'attaque à une énorme coquille Saint-Jacques. Mais t'es folle, tu fais pas le poids. Je te l'avais dit. Quand l'étoile réussit enfin à capturer une proie et à ouvrir sa coquille, elle sort son estomac et le glisse à l'intérieur de la moule pour la dévorer. Une fois la digestion terminée, l'étoile peut rentrer son estomac. Le crabe aussi est un grand amateur de moules. Et lui alors, il est mangé par qui ? Par le poulpe, qui le saisit dans ses 8 bras couverts de ventouses et l'amène jusqu'à sa bouche. Là, il sera broyé par son puissant bec corné. Et voilà. Tiens, en fait, Jamy, le poulpe, lui, il est mangé par qui ? Ben par moi, tiens. Mais non, sérieusement, il est mangé par qui ? Bon, le poulpe est mangé par le thon. Et mine de rien, il en faut de la nourriture pour alimenter un thon. Tenez, pour qu'il grossisse, ne serait-ce que d'un kilogramme, eh bien le thon va être obligé de manger 10 fois ça. Et comme le thon adore le poulpe, eh bien il va être obligé de manger par exemple 10 kg de poulpe. Et comme chaque poulpe a dû manger 10 fois son poids et que les poulpes adorent les crabes, eh bien pour nourrir 10 kg de poulpe, il faut 100 kg de crabes qui eux aussi ont dû manger 10 fois leur poids. Et comme ils adorent les moules, eh bien il leur faut 1000 kg de moules qui se nourrissent de plancton et qui ont dû manger 10 fois leur poids, c'est-à-dire 10 tonnes de plancton. Si on résume cette petite histoire, pour que le thon grossisse d'un kilogramme, il faut 10 tonnes de plancton. Et oui, sous la mer, tout le monde doit manger ou être mangé. Et il existe des dizaines de techniques différentes pour être un bon chasseur. La sèche se cache dans le sable pour surprendre ses proies. C'est une championne du mimétisme. Elle peut changer de couleur pour se confondre avec l'environnement et ne pas être vue par ses prédateurs. Et si malgré ce camouflage, elle est repérée par un gros poisson, la sèche peut projeter des nuages d'encre noire pour protéger sa fuite. Le poisson clown, lui, se met à l'abri dans une anémone de mer. Il est insensible à son venin et mange les restes laissés par l'anémone. Rusé, le poisson clown. Dans cet univers impitoyable, ce n'est pas toujours facile pour ces espèces de se reproduire. Et chacune a donc ses propres stratégies pour pouvoir faire des petits et pour pouvoir les protéger. L'araignée de mer, par exemple, protège ses œufs en les mettant comme ça à l'abri sous son abdomen, comme on le voit ici. Et une fois que ses œufs seront arrivés à maturité, l'araignée libérera des petites larves qui rejoindront le zooplancton. L'étoile de mer, elle, a une toute autre stratégie, puisqu'elle va envoyer comme ça dans l'eau des millions d'ovules qui, avec un peu de chance, rencontreront les spermatozoïdes des mâles. On la lâche ? Au revoir, l'araignée. Au revoir, l'araignée, et excuse-nous de t'avoir embêté. Oh, c'est ça les ovules de l'étoile de mer. L'étoile de mer femelle lâche donc ses ovules. Beaucoup d'ovules, jusqu'à 2 millions. Pendant ce temps-là, un peu plus loin, l'étoile de mer mâle lâche sa semence. Des millions de spermatozoïdes. Alors tout ce petit monde ne va pas forcément se rencontrer. En effet, beaucoup d'ovules vont être mangés par des poissons. Si malgré tout, un spermatozoïde parvient à féconder un ovule, eh bien la partie n'est pas encore gagnée. En effet,
D'autres prédateurs, d'autres gros poissons, vont manger une partie de ces œufs fécondés. Au final, un ovule sur 1 million va engendrer une étoile. Voilà pourquoi beaucoup d'animaux marins pondent autant d'œufs. D'ailleurs, ce mode de reproduction est également utilisé par certains poissons. D'autres espèces ne pondent que quelques milliers d'œufs qui ne rejoindront pas le plancton. Les œufs restent sur les rochers et les parents les protègent contre les prédateurs jusqu'à l'éclosion. Quant à la roussette, un petit requin, elle ne pond qu'un ou deux œufs à la fois, mais enfermée dans une solide enveloppe cornée. Une fois accrochée à une algue ou un rocher, il faudra 6 mois pour qu'une jeune roussette éclose enfin. Eux aussi, ce sont des poissons, mais chez les hippocampes, c'est le mâle qui accouche. Il porte les œufs déposés par la femelle dans sa poche ventrale. Là, ils seront fécondés. Ensuite, le mâle éjecte jusqu'à 800 petits. Oh, c'est trop mignon! Ici, nous sommes dans l'archipel de Molens, une série de petites îles qui sont situées entre Brest et l'île d'Ouessant. Et c'est un endroit assez exceptionnel car ici, comme vous pouvez le constater, on peut voir des phoques gris. On ne s'attend pas tellement à les trouver ici, Eric, qu'est-ce qu'ils font là ? Non, mais on est dans la limite sud de la répartition du phoque gris, dont l'air essentiel est les îles britanniques. Et là, il y a une petite colonie qui se trouve ici depuis la nuit des temps, avec une trentaine, entre 30 et 50 individus. Ils restent toujours ici ou ils migrent ? Alors, on ne connaît pas beaucoup de choses sur l'organisation de ces colonies qui se trouvent un peu en limite de la répartition. Ouais. Et on fait beaucoup d'études sur eux maintenant pour essayer de comprendre un peu où est-ce qu'ils vont et comment est-ce qu'ils vivent. Et pour les phoques que l'on voit là juste derrière nous, donc on voit un gros gris et un animal beaucoup plus jeune, un jeune planchon. Enfin, c'est un animal qui a environ 5-6 mois, hein, qui est là. Lequel, le petit jeune Celui qui est très blanc, hein, de couleur très très claire. Hein. Ouais. Donc que l'on voit là, donc ça fait partie des animaux que l'on suit dans l'ensemble de cet archipel. Comment on peut expliquer qu'ils soient installés ici ? Ben parce que la zone est riche, la zone est poissonneuse et de tout temps il y a eu des phoques dans cette région, sur cette espèce qu'on appelle le phoque gris. Et hop, il a plongé et on n'est pas près de le revoir car vous savez que les phoques qui sont des mammifères marins peuvent rester sous l'eau en apnée pendant une vingtaine de minutes. Nous quand on tient 2 minutes, c'est déjà pas mal. Et pourtant tout ça, Jamy, il paraît que leurs poumons sont pas plus gros que les nôtres. C'est étonnant, non ? C'est étonnant. Et pourtant, ils emmagasinent plus d'oxygène que nous. Alors où le mettent-ils ? Eh bien d'abord, il faut savoir que lorsque l'on plonge en apnée, on emmène très peu d'oxygène dans nos poumons. En effet, ceux-ci sont pleins d'air, mais l'air n'est constitué que de 21% d'oxygène. En fait, l'essentiel de l'oxygène que nous utilisons se trouve dans notre sang, transporté par nos globules rouges. Le phoque, lui, il a un réseau sanguin beaucoup plus étendu, donc plus de sang. En plus, dans une goutte de sang de phoque, il y a plus de globules rouges que dans une goutte de sang d'homme. Du coup, le phoque peut emmagasiner plus d'oxygène. Et c'est pas fini. Quand il est en plongée, le phoque économise son oxygène. Il n'irrigue que les zones de son corps dont il a réellement besoin, à savoir le cerveau et le thorax. Hey, Jamy, tu viens jouer ? Bon ben, je crois qu'on m'attend. Hein. Période où les phoques doivent rester sur la terre ferme. C'est au moment de la naissance des petits. La maman accouche au milieu de l'hiver d'un bébé de 15 kilos et ne le quitte plus pendant 3 semaines. À la fin de l'allaitement, elle a perdu ses réserves de graisse et doit retourner se nourrir. Le blanchon livré lui-même devra se débrouiller tout seul. Mais certains n'y arrivent pas et viennent s'échouer sur la côte. Épuisés, ils sont recueillis par les chercheurs d'Océanopolis qui les soignent et qui les nourrissent. Au début de l'été, ils sont assez grands pour être relâchés. Sur certains, on colle une balise Argos qui permettra de suivre leur voyage et leur plongée grâce aux satellites. Allez les enfants, tout le monde dehors! Là, ils trouveront peut-être une place dans la colonie de phoques gris de l'archipel de Molène. Ils seront encore mieux protégés car un parc national sera créé en l'an 2000. Chouette! Mettre en place un parc national marin dans cet archipel, c'est expliquer, essayer de connaître, étudier la diversité des espèces animales et végétales que l'on trouve ici. C'est également vouloir protéger ce milieu, cet équilibre qui existe actuellement. Et puis c'est enfin essayer de faire partager au public la richesse de ce milieu.
Tiens, vieux crabe, enfile la combinaison et va plonger. C'est magnifique. Bah, j'ai pas besoin de tout ça, moi, pour visiter les fonds marins bretons. Et tu fais comment? Sans mouiller les pieds, moi. Sans te mouiller les pieds. Dis-moi. Bah oui, Jamy, t'as raison. À Océanopolis, ils ont reconstitué les fonds marins bretons exactement comme ils sont dans la nature. On y retrouve tous les habitants de la mer. Algues, anémones, poissons, roussettes et mes copains les phoques. Oh, il y a même une tortue.